get out the box from where I stay. Am I wrong for saying that I choose another way? I'm not. Salut à toutes et à tous, Six Life, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Écoutez, pour ma part, ça va vraiment super bien, les amis. Écoutez, aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne de la Obscure Clan. Et les amis, aujourd'hui, Nucléaire au pied de biche, réalisé par Narzo sur la map Skyjacked en domination. Franchement, c'était un superbe gameplay. Franchement, je kiffe commenter des gameplays comme ça. C'est une énorme performance de la part de Narzo, puisqu'en fait, tous les kills, bon, voilà, vu que c'est au pied de biche, c'est normal, vont être réalisés au corps à corps. Donc, franchement, c'est vraiment une très belle performance de sa part. Je vous invite vraiment à aller checker sa chaîne dans la description. Franchement, il le mérite et ça lui fera super plaisir et ça me fera également super plaisir. Enfin bref, d'ailleurs dites-moi au passage si vous avez réussi à dropper cette arme, parce que c'est vrai que, bon, c'est pas du tout le sujet, mais il y a vraiment peu de personnes qui arrivent à dropper les nouvelles armes que l'on peut seulement avoir dans les largages de ravitaillement. Donc dites-moi ce que vous avez droppé. Moi personnellement, j'ai droppé la Nyx Shadow Claw, elle est vraiment pas mal et j'aimerais vraiment avoir le pied de biche. Enfin bref, dites-moi ça dans les commentaires, même si c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça sera l'invention par Nissan d'une chaise qui se range toute seule, voilà. Aujourd'hui, je vais en débattre avec vous de cette nouvelle invention, qu'est-ce que j'en pense, etc, etc. Donc dans la description, il y aura le lien de l'article, bien évidemment, mais sera présent également une petite démonstration qui tournera pendant la vidéo, en fait. Donc ça s'affiche maintenant. Et en fait, cette vidéo, elle a été sortie le 14 février 2016. Et on peut voir dans cette vidéo la nouvelle technologie, en fait. Et cette nouvelle technologie, elle permet de ranger des chaises de bureau rapidement en tapant tout simplement dans ses mains. C'est aussi simple que ça. On tape dans ses mains et les chaises, elles se rangent toutes seules. Alors, comment ça marche? En fait, il suffit de trois choses. Alors, d'abord, grâce à quatre caméras fixées dans les coins d'une pièce, à une connexion Wi-Fi. Il faut une connexion Wi-Fi, forcément. Et un ordinateur qui se charge de piloter et de garer automatiquement les chaises. Donc franchement, voilà comment ça se passe, quoi. Comment ces chaises, elles se rangent toutes seules. Donc ça a été développé par Nissan. Donc jusque-là, on se dit, ouais, super, il y aura une nouvelle technologie qui va rentrer. Ça va vraiment être super. On va pouvoir avoir des chaises qui se rangent toutes seules, etc, etc. Maintenant, ça sera vraiment super facile. Mais non, non, non. Je vous arrête tout de suite, et c'est vraiment très très dommage, c'est que tout simplement ces chaises ne vont pas être commercialisées. Alors vous allez me dire pourquoi Nissan a créé ces chaises et a fait toute une vidéo en fait pour montrer en fait le principe de ces chaises. Voilà, je pense que nombreux vont être ces questions. Et ben moi je vais vous répondre, tout simplement parce qu'en fait c'est une stratégie commerciale en fait. Il ne s'agit là que d'un coup marketing afin de promouvoir le nouveau logiciel de stationnement automatique de Nissan qui s'appelle Self Park et qui équipe certaines de ses véhicules. Puisqu'en fait, le système en fait de la chaise qui se range toute seule, c'est le même que les systèmes pour se garer, etc. Comme je l'ai dit, qui équipe certaines de ces véhicules de la marque Nissan. Donc en fait, c'est juste un coup marketing, quoi. En aucun cas, ces chaises vont sortir dans le commerce. Et c'est d'ailleurs bien dommage parce que Dieu seul sait comment c'est chiant des fois de ranger les chaises. Parce que on va prendre un cas concret, tu vois, quand t'es désigné la victime de la classe par ton professeur, tu vois, qui te demande de ranger toutes les chaises. Enfin, voilà, qu'on soit d'accord, ça te fait chier, c'est normal. Et si créer le système, en gros, des chaises qui se rangent toutes seules, franchement, ça serait vraiment super simple, parce que tu auras juste à claquer des mains, comme ça, là, hop, et là, bim. Voilà, elles se rangeraient toutes seules, franchement, ça serait vraiment super. Mais bon, c'est bien dommage, ils ne le développeront pas. Et moi, j'ai ma petite idée, pourquoi? Parce que je pense que le fait de créer ça, enfin, de créer une chaise, ça doit vraiment coûter assez cher, parce que vous imaginez pas le bordel. Je pense que ça doit coûter assez cher, franchement, de créer ces chaises comme ça. Et les mettre dans le commerce, ça serait vraiment pas intéressant, dans le sens où, en fait, le public, enfin... Ces chaises seraient destinées à un public, tu vois, assez aisé. C'est-à-dire que seuls ceux qui ont du pognon et les grosses entreprises, ils pourraient se payer ça. Tu vois, enfin, une famille ou quelque chose comme ça, ou des salles de classe. Enfin, ça serait pas possible pour eux d'avoir des chaises comme ça, d'avoir un système, en fait, comme ça. Ça serait pas possible. Et donc, en fait, ces chaises, elles seraient vraiment pour un public restreint et ça serait vraiment pas intelligent et ça serait pas bénéfique pour la marque Nissan en fait de les commercialiser, parce que je pense qu'ils mettraient trop d'argent pour au final gagner trop peu d'argent. Enfin voilà, je pense que c'est ça. Après, peut-être que je dis une énorme connerie, mais je pense franchement, enfin, c'est vrai que ça nous simplifierait vraiment la vie d'avoir des chaises comme ça qui se rangent en 2-2.
je pense que ça serait vraiment super. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, ça m'intéresse vraiment. Sur ce les amis, je vous laisse, je vous dis prenez soin de vous. Et je tiens quand même à dire qu'on enverra cette vidéo à plusieurs chaînes communautaires en espérant vraiment qu'ils nous uploadent, ça nous permettrait vraiment de nous développer si vous ne nous connaissez pas. Et quand ce upload sur une de ces chaînes communautaires, n'hésitez pas à ouvrir la description, il y aura notre chaîne YouTube nous proposant vraiment de la bonne performance. Sur ce les amis, je vous dis prenez soin de vous à la prochaine et ciao bye peace.